Bonjour à tous. Alors, dans la mesure de l'avancement d'une tâche, je vais vous expliquer comment faire un diagramme de Gantt. C'est très facile. En fait, vous avez un tableau Excel comme ça à peu près, hein. Vous choisissez une ou deux couleurs. Si par exemple ça c'est 100%, la troisième année, première année, pardon, première année, deuxième année, troisième année, admettons que ça c'est 100%, ben vous colorez en bleu, admettons, la troisième année à 100%, vous avez avancé dans votre tâche à 100%. La deuxième année, admettons que vous avez avancé sur 3 niveaux, vous mesurez, ça c'est 100%, donc ça 3, ça fait donc 75%, et là 50% la première année. Lorsqu'on vous le demandera, vous serez content d'avoir utilisé cette méthode. Donc vous mettez des couleurs dans le tableau Excel. Après l'utilisation du logiciel Excel, c'est très facile, il suffit juste de chercher un petit peu parce qu'il évolue sans arrêt. Vous cherchez tableau, couleur. Vous pouvez même le faire sur Word. Donc après il y a OpenOffice aussi. Voilà.